Messieurs, dames, la famille, la société, bonjour, bonsoir, ça parle de prendre de qui côté, ou bien qui le, ou poil, regarde des vidéos, ça. Jeudi, c'est mardi, nous, mardi 30 mars 2021, nous comptons rentrer la caillou, yon l'autre fois, pour nous capables d'informer, ou bienvenue sur Chanel Paola. Voilà, Kai. Quelques nouvelles nous pour partager ensemble avec vous. Dans la vidéo, ça, eh bien, c'est go escombrit en bataille pété entre agents immigration avec quelques haïtiens illégaux qui partent accepter pour immigration capable d'arrêter pour vous dans le pays d'Haïti. Ou pour avoir une chance pour comment bataille ça lui-même, li pété. Est-ce que immigration t'est obligé de laisser haïtiens ça qui pas de monter dans le bus là? Eh bien, restez connectés ensemble avec nous. Pour nous venir au détail et montrer quelques grandes vidéos. Pendant que l'immigration lui-même n'a pas mené opération pour capable arrêter haïtiens, nous parlons comment un groupe haïtien embarrassé y a couru veiller guade pour voir comment il est capable d'essayer de arriver dans le pays et Saint-Domingue. Pendant l'immigration encore a pas ravagé haïtien gros l'autre groupe haïtien qui voulait mettre légal dans pays a, eh bien nous pour aller comment ça lui-même l'a évolué dans Igwei devant consulat haïtien dans Igwei là en pile haïtien qui t'est levé bien bonheur pour aller comment yo capable jeune document yo, eh bien malheureusement autorité ou c'est misère y a fait. C'est pas seulement dans pays c'est demain que ça a passé, mais c'est tout partout côté qui gain corps diplomatique pays d'Haïti. Jean que nous t'ai annoncé au Bouik Chapé pas camper nous pour présenter comment le beau de Blosay pété entre haïtiens avec direction générale immigration nous connaît et gouvernement en place là. Il dit des ordres immigration qui gagnent, il gagne pour capable mettre un lol là-dedans, c'est ça que fait ouais autorité au dépenser plus comme dans opératif, il mettait plus moyens pour agent immigration pour direction générale immigration dans pays Saint-Domingue capable faire travail. C'est raison ça chaque jour matin midi soir ou gen en pile opération qu'a fait tout partout dans Saint-Domingue et mais nous pour aller dans Igwei côté direction générale immigration yo t'a pas mené un opératif pour capable ouais comment pour capable arrêter quelques grands haïtiens illégaux d'après ça vous fait comprendre et zone ça zone Babalo Igwei c'est une zone qui pourrit avec haïtiens c'est tellement gen haïtiens yo t'es capable dire ça c'est un département et pays d'Haïti qui dans zone ça c'est tellement gen haïtiens dans zone. N'a pas montré comment et opération ça lui-même l'a fait à côté de quelques haïtiens qui étaient refusés pour immigration pas arrêter yo. Immigration en Igwei dit que recorriendo. Es que ellos no quieren acatar las leyes. Si esos son personas que están autorizadas para eso. Y si le dicen suba, deben de subir. Si no quieren a las buenas, entonces a las malas. Ella tiene una niña, eso es lo que ella está diciendo. Que sí, pero que le están diciendo hace rato y no quiere. Ellos, eso es chantaje, chantaje. Es que deben de acatar las leyes. No, no quieren respetar a las autoridades. Oui, mesdames et messieurs, c'est comme ça, Kachaboumbe, ça a pété entre quelques agents immigration avec quelques citoyens et haïtiens, côté que agents immigration t'a essayé de faire travailler, mais et malheureusement, nous connaissons un barré qui est extrêmement difficile, les ou quitter le pays ou venir dans l'autre pays, ou venir chercher, yon aller mieux. Et pour essayer d'en façon ça, ouais, y'a pas l'arrêter, ça qu'on fait que, y'a un monde qui connaît et agit,
mal ensemble avec autorité dans le pays côté Oria. Nous capables dit et autorité citoyen haïtien ça a été mal agi malheureusement ça t'est capable faire agent immigration t'est capable ba au coup ça parle de pan de qui agent immigration parce que il y a un pile haïtien qui compte victime dans sens ça côté les affaires rebelles comme ça yo refusé pour yo capable arrêter yo ça qu'on fait que agent la police immigration qu'on arrivé taper yo qu'on ba au quelque sabord et des fois qu'on arrivé voyer l'hôpital et même mourir même ça parle de pan de cas. Et malheureusement, c'est comme ça, ça les mêmes idées. On a de côté, il y a un groupe haïtien, pendant que l'immigration a essayé de laver pays Saint-Domingue, il y a un groupe haïtien, et nous parlons montre ça, comment il a essayé de rentrer dans le barrage, il a couru pour Guadeloupe de Paroyo. Et on regarde et petit côté vidéo ça. Claro. Tipo de motoconcho, lo que pasa es que por aquí. Claro. C'est comme ça, ça est, mesdames et messieurs. Malheureusement, nous obligés de rire. Et situation, c'est une situation qui vraiment, qui pas facile. Et nous connaissons compatriotes, nous avons passé en pile misère. Et nous voyagé comme ça, dans la et en pile malheur capable de. Et c'est pas tout qui a une chance et pour être capable de à destination. Yo. Gen en pile dans confrères yo qui kon rete nan rage qui kon mouri et tigele kon touye yo et voleur kon joine yo et yo kon atraka ou kite yo nan rage en pile nan kon perdi la vie yo malheureusement gen en pile nan mesdames nou yo tout qui kon victime soit et moun kap vin ensemble avec yo nan rage kon essayer abuser sexuellement yo kon joine avec dominicain guade yo kon arrive et yo kon arrive à abuser yo battre yo violer yo. Tout ça, c'est des risques que yon moun, les que ou essaye voyager dans une situation très précaire comme ça, ou capable victime de yon paquet bagay ko pas capable et attendre. Et nous pourrons faire l'autre coup de pied encore dans Igwey, côté, et quelques haïtiens yon tap essayé à chercher document yo, et dans consul Igwey là, et moun yon fait gros lin de yon, yon pas capable jouer un service. Nous connaissons un gros problème qui gagne, et c'est pas seulement en République dominicaine, et dans tout consulat à travers le monde, nous recommençons à qu'on a passé dans l'ambassade Brésil là, et des fois qu'on puisse gagner une série de cas qui a passé, côté autorité qui l'a pour ça, pour qu'on ait service, il n'y a pas de service, mais c'est dans une série de gros scandales sexuels, nous connaissons plus qu'on attendait quoi ça se passe, et Chili là, ambassadeur auto obligé relil en Haïti, il auto obligé rappeler ambassadeur ça, il y a des gens qui fait comprendre, il a tout révoqué dans le poste parce que il trouvait dans un scandale sexuel côté gien un travailleur et en dans ambassade là un petit dame nous était comme ça sur toutes les réseaux sociaux lui même qui fait comprendre que ambassadeur lui même il est arrivé violer lui abuser le sexuellement et petit dame ça lui même lui arrivé en cette c'est pas pour la première fois ça passé mais nous capable autorité nous yo plus les et travail qui vous voyez faire c'est pas lui même yo fait yo plus. Il y a plusieurs annoncés des scandales sexuels. C'est pas la première fois ça fait, c'est plusieurs fois, surtout dans le gouvernement président Jovenel Moïse. C'est là où il y a plus de scandales qui fait dans ce sens-là. Et puis, travail pour faire service plus capable de haïtien dans la zone. Il n'y a pas jamais capable de mais c'est dans l'autre barrière que nous avons toujours et là. On suivre et petit coup de vidéo, ça, ça a passé dans Igwey. Thank you.